Vous avez des très bons rapports mère-fille, apparemment, Roxane. Ouais, ouais carrément. Bah, non, allez, honnêtement. Non, mais en plus, entre nous. Non, mais c'est horrible parce que t'as l'impression que c'est hyper édulcoré et tout, mais pas du tout. Enfin, on s'entend hyper bien. On peut pas dire le mot copine parce qu'il y a le respect et tout, mais on est comme proche. Ouais, on est très proches, on se voit tout le temps. Ses amis et mes amis, on se mélange. Mes anniversaires, je les fais tout le temps à la maison avec mes amis et ses amis. Enfin. On part encore en vacances ensemble et je vous rappelle qu'elle ne vient de quitter la maison qu'il y a 3 mois. Oh, yeah, yeah, yeah. Comment ça se passe? Vous avez quel âge, Roxane? 28 ans. Ah oui, vous avez pris le temps alors? J'ai pris mon temps. On est peut-être pas copines, mais on était colocs pas mal de temps. Ouais, on était colocs. Ouais. Voilà. Oui, en fait, vous fêtiez vos anniversaires chez elle parce que vous habitiez chez exactement, elle. Exactement, aussi. J'avais pas le choix en fait. Ouais. Et, là, ça fait un vide, Valérie Damido, qu'elle soit partie, votre fille? Ah bah, ça fait un peu bizarre. Hein. J'ai encore mon fils. Hein. Ne pars pas! Et votre fils, il a quel âge? 26. Ah oui? Ah oui. Vous êtes un peu serrure. Vous êtes une maman poule quand même. Ouais, je suis. Mais quand j'ai acheté cette maison dans laquelle on vit, je me suis dit, voilà, ils ne partiront jamais. Ils élèveront leurs enfants ici. Ils ne partiront jamais. Bon, évidemment, à un moment donné, il faut bien qu'ils partent. Mais non, non, ça a fait un petit vide, ouais, quand même. Mais bon, elle habite à 1 km de la maison, on se voit tous les jours. Ah, oui, ça, ouais. On va bien. Voilà. Alors, vous avez hâte d'être grand-mère, Valérie Damido? Ouais, mais c'est pas un truc qui me gêne, ça. Moi, j'adore les gamins. J'adore. Plus il y a de bordel, et mieux c'est dans ma vie en général. Ouais, mais après, alors, soit pour le coup, c'est pas moi qui vais mettre la pression de « Et donc, je serai grand-mère quand ?» Je pense que ça, c'est un choix personnel. Et donc, elle sera grand-mère quand? Oui, oui, pas tout de suite. C'est pas prévu. C'est pas du tout prévu. Et toi, c'est prévu que tu sois grand-père quand? Pas tout de suite, pas tout de suite. Déjà qu'il a un enfant. Voilà, allez. Déjà. On me met pas la pression, s'il vous plaît.